Bonjour, je suis Nathalie Bassalaire, la directrice de la communication et des affaires publiques du think tank Hashtag le plus important. Investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique doit être une priorité du prochain quinquennat. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'élargir la grande école du numérique à une grande école de la transition inclusive pour garantir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de formation aux compétences et aux métiers de la transition écologique et numérique. Pourquoi cette proposition? La double transition écologique et numérique de notre économie est d'une ampleur inédite. Elle transforme profondément les métiers et les compétences requises par les entreprises. Elle appelle donc une adaptation elle-même massive et rapide des qualifications et des compétences des travailleurs. Or, la coexistence d'un chômage de masse et de fortes pénuries de main-d'œuvre dans les emplois numériques verts et verdissants montre que nous sommes très loin de l'objectif. Pour accélérer cette adaptation des compétences et éviter un double gâchis économique et social, il faut agir vite et fort. L'enjeu est que 100% des personnes qui en ont besoin soient formées d'ici 5 ans aux compétences et aux métiers de la transition écologique et de la transition numérique. C'est pourquoi nous proposons de lancer une grande école de la transition inclusive. Elle aura notamment pour mission d'assurer une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de formation pour toutes les compétences de la transition écologique et numérique. Concrètement, que faire? Les missions de la grande école de la transition écologique et numérique inclusive consistent à être un animateur de place des formations. Concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement, donner une visibilité d'ensemble sur les besoins de formation initiale et continue en matière de compétences et de métiers liés à la transition écologique et numérique, notamment par une coordination étroite avec le hub public de données sur les compétences que nous proposons par ailleurs de mettre en place. Qu'il soit ou non effectif, la grande école aura de toute façon besoin de s'appuyer sur une analyse fine des besoins. Deuxièmement, assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de formation en favorisant, en cas de besoin mal couvert, l'émergence d'une offre adaptée, par exemple par des appels à projets ciblés ou par l'aide à l'échelle de formation, pour le passage à l'échelle, de formation pertinente. Troisièmement, faciliter l'orientation des publics concernés par ces formations, notamment via une plateforme recensant l'ensemble de l'offre de formation disponible et articulée avec son compte personnel de formation. Quatrièmement, favoriser l'accès de tous les publics à ces formations, notamment via l'attribution d'un label Grande École de la Transition Inclusive, ouvrant droit à des aides publiques. Cette vocation d'inclusion professionnelle par la formation est d'ailleurs au cœur de ce projet, d'où son nom de Grande École de la Transition Inclusive. Enfin, cinquièmement, animer la communauté des acteurs des formations à la transition écologique et numérique, notamment pour renforcer les coordinations, les synergies, les partages de bonnes pratiques et mise en réseau des différentes initiatives. Vous l'avez compris, le terme de grande école ne signifie pas qu'il s'agit d'un organisme de formation en tant que tel. Elle ne va pas directement former. Ce terme renvoie d'ailleurs à la grande école du numérique, que la grande école de la transition inclusive a vocation à absorber dans un cadre et des missions plus ambitieuses. Nous nous inspirons en cela, en partie, des travaux menés par Ticket for Change et la coalition d'acteurs. L'heure est en effet venue d'élargir à la fois les missions et le périmètre de la grande école du numérique, laquelle avait été créée en 2015 pour favoriser les formations aux métiers du numérique pour des publics fragilisés, et élever le niveau d'ambition. Élargir le périmètre, d'abord de deux façons. D'une part, en visant non pas seulement les métiers du numérique, comme aujourd'hui, mais aussi le numérique dans les métiers, dimension tout aussi fondamentale de la transformation numérique de notre économie. D'autre part, en incluant la transition écologique. Ces deux transitions concernent tous les secteurs. Nous avons donc besoin d'un outil transversal, alors que les opérateurs de compétences, les OPCO, sont organisés silos par secteur économique. Comme les publics visés sont proches,
Les entreprises également, que le mode opératoire est le même, autant traiter ensemble cette double transition plutôt que d'avoir deux grandes écoles jumelles avec les risques de doublons et de confusion qui iraient avec. Élargir les missions, ensuite, pour garantir une meilleure adéquation de l'offre de formation aux besoins, c'est l'ambition de devenir un animateur de place, ce rôle que ne joue pas aujourd'hui la grande école du numérique. Enfin, changer d'échelle, avec une visée plus large. La grande école du numérique forme environ 15 000 personnes éloignées de l'emploi par an. La grande école de la transition écologique a une visée beaucoup plus large. Quel impact en attendre? Un objectif de 500 000 personnes formées chaque année pourrait être fixé, soit 2,5 millions de personnes sur l'ensemble du quinquennat. Le bénéfice attendu est multiple. Réduction des pénuries de main-d'œuvre, compétitivité accrue via une main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises qui vont donc aussi créer de l'emploi. Employabilité accrue pour les travailleurs et en particulier les publics fragilisés et accès à de nouvelles opportunités d'emploi. Merci à tous et à demain pour une nouvelle proposition, elle aussi centrée sur l'enjeu de former 100% des actifs aux compétences de la transition écologique et numérique.